الطبيعة العذراء بأعالي جبال بوزغزا وسحر المناظر بها وتنوع الغطاء الغابي، كلها حوافز دفعت جمعية علم المغارات لاختيارها كوجهة لممارسة هوايتهم المفضلة. Nous sommes une association de spéléologie à caractère environnemental. Les adhérents, on a à peu près une soixantaine d'adhérents. Alors enfants, adultes et même femmes et hommes. Nous, on essaie de développer cette activité au niveau de l'Algérie parce qu'elle est méconnue. Je fais la spéléologie. Alors, Bouzgza, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, Bouzgza, le mot Bouzgza, c'est en berbère, ça veut dire la verdure, ça veut dire le vert. Donc c'est, la région Hadi, elle est riche, très riche dans le... dans le monde cavernicole. حب الاطلاع واكتشاف خبايا كنوز الجزائر المتوارية ذلل جميع العقبات أمام مجموعة من مختلف الأعمار. العامل المشترك بينهم هو عشق المغامرة، وأملهم الوحيد هو إنشاء فيدرالية تشجعهم وتدعمهم. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de subvention. On travaille surtout avec les cotisations, c'est-à-dire on cotise. Donc, le matériel, parce que pour le moment, le matériel, c'est-à-dire que les adhérents ont quelques-uns, les matériels ont été mis. Le matériel est en France, il fait à peu près un matériel, le strict minimum, à peu près 260 euros. Puis on n'a pas de fédération, mais on n'a pas de fédération. C'est notre souhait باش تكون عندنا une fédération باش نكتيفيو. سحر وعطاء رباني هو ما تكتنزه الجزائر، جمال يذر في بلدان أخرى ذهبا، يحتاج فقط إلى تأطير ودعم مادي ومعنوي يجعله قبلة للسياح وموردا بديلا للدخل الوطني.